tard là, il est 2 heures du matin et j'arrive pas à trouver sommeil. Donc je me suis relevé parce que je sais pas, je suis trop excité, je crois. J'ai trop de trucs en tête et ça fait bizarre même de dire je pars à Tahiti. Dès que j'arrive à Tahiti, je pose mes valises et on va ensemble voir cette plage. C'est incroyable. Non, ouais. Ça, je suis vraiment à Koh Lanta, quoi. Et j'ai hâte de vous montrer la vie à Tahiti. Ça c'est sûr. Ok, et bah c'est le grand jour, j'arrive sur Tahiti. C'est un rapport d'Orly ? C'est ça. Terminal ? Terminal 4. Ok, là c'est le passage un petit peu stressant de la vidéo, où en fait pour embarquer à Tahiti il faut plein de documents différents, et il faut aussi un test PCR négatif. Et faut le faire souvent le jour du départ. Et donc là, j'attends la réponse. Et si c'est positif, en fait, je peux pas embarquer. Donc c'est, on va dire, le moment stressant que j'avais pas lorsque j'allais à Tahiti il y a 5-6 ans. Et donc là, on attend les résultats. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais j'avoue, là, c'est un petit peu stressant. Pendant qu'on attend les résultats des tests, je me promène sur Twitter. Et je suis tombé sur un tweet qui dit ça. Et ça fait grave plaisir. C'est trop sympa. Donc si tu passes par là... Marjo, et ben force à toi, ça m'a fait super plaisir. On attend les résultats toujours des tests. 15 minutes later. Je suis en train de télécharger des podcasts pour pouvoir écouter des podcasts pendant le trajet parce qu'il y a quand même 24 heures de vol pour arriver à Tahiti. J'ai pris un peu de musique, j'ai pris aussi le top 50 France pour la musique. Il y a du Simple Plan, il y a du Green Day, il y a du Avicii, il y a un podcast avec Ben Francis, donc le fondateur de Gymshark, et voilà, comme ça je pense que j'ai de quoi faire pour le vol. Toujours rendre le processus le plus agréable possible. Et c'est pareil pour le processus de prendre l'avion. 1 hour later. Ça, c'est le PK18 à Tahiti. C'est une superbe plage qui est assez connue là-bas. Qui est une des rares plages de sable blanc à Tahiti parce qu'il y a beaucoup de plages de sable noir à Tahiti. Il y a peu de personnes qui le savent ça. Et je vous promets qu'on ira dans ce vlog. Dès que j'arrive à Tahiti, je pose mes valises et on va ensemble voir cette plage. Et je vous ferai même peut-être quelques plans en drone. On verra, je vous promets que là dans quelques minutes on y sera dans le vlog. Et moi je peux vous dire que quand je fais une promesse, parfois il m'arrive de revenir dessus, mais la plupart du temps je l'honore. 2 hours later. Ok, c'est bon, j'ai reçu les tests pour le PCR et je crois que c'est bon, c'est négatif, donc c'est bon. Je crois que c'est la première fois que je suis content d'avoir un résultat négatif à un examen. Ça y est, je suis bien arrivé à Tahiti. Je vais pouvoir revoir les parents. J'arrive, les parents. J'arrive. Ok. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas senti ces odeurs. En fait, moi j'ai une relation particulière avec Tahiti parce que j'y étais tout petit. J'ai fait ma crèche à Tahiti parce que déjà à cette époque-là, mes parents avaient été mutés parce qu'ils sont professeurs de français et que c'est pas mal réclamé à Tahiti comme poste. Et donc forcément, au cours des années où j'ai vécu à Tahiti, j'ai commencé à développer des affinités pour cette île, pour cette culture, pour les personnes qui y vivent, pour les Tahitiens, pour les Tahitiennes. J'ai même dû apprendre l'hymne de Tahiti pour une compétition internationale en Australie. Ah, okay, ah, tu, ah, oh, ah, yeah.
Enfin voilà, c'est une île qui est quand même assez importante pour moi, et c'est pour ça que j'essaie de la mettre en avant aussi dans cette vidéo, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît bien. Tahiti, c'est quand même très loin, c'est littéralement à l'autre bout du monde, et c'est pour ça que je profite de vous faire des images pendant que j'ai la chance d'être sur cette île. Et je me rappelle que lorsque je suis rentré en France pour finir mes études de droit, j'avais pas mal de regrets de pas avoir assez visité l'île, de pas avoir assez découvert l'île, de pas avoir fait plus de randonnées, plus de levées de soleil. Et dès que j'ai su que je pouvais revenir à Tahiti, je me rappelle que j'ai tout de suite pensé à prendre mon drone pour faire le maximum d'images possibles, pour avoir le plus de souvenirs possibles en tête et de surtout, surtout pas avoir de regrets en partant de cette île. On va prendre, mais si tout tu sais, on va prendre... Le bateau. Ouais, on va aller où? On va aller à Mouria. Ouais, voir quoi? Voir les dauphins. Ouais, génial. Ok, alors je suis d'accord, je vous ai un petit peu fait rêver avec les images de Tahiti, avec la plage, les palmiers, le soleil, tout ça, mais faut savoir que mon arrivée, c'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'en fait, en novembre, c'est la saison des pluies à Tahiti. Alors malgré tout, mon arrivée s'est quand même bien passée, hein. J'ai pas trop pris cher à cause du décalage horaire, j'ai pas eu trop de mal à m'adapter à la température locale. En fait, moi, mon problème, c'était plutôt que j'avais du mal à me rendre compte, à vraiment prendre conscience que j'avais atterri à Tahiti. Ça fait bizarre d'être là encore. C'est trop bizarre. Il y a une semaine, j'étais à Caen pour la remise des diplômes. Il y a quelques jours, j'étais au Portugal pour un mariage. Et là, je suis là à Tahiti, qui est un endroit familier pour moi, mais que j'ai pas vu depuis longtemps non plus. Donc ça fait un peu bizarre. Et j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où en fait tout est scripté et je suis juste en train de vivre à la première personne le jeu vidéo, mais j'ai du mal à réaliser encore. Là, tu vois, je prends une vidéo du moment présent parce que je sais que quand je verrai cette vidéo dans un mois, je me dirai « Ah, mais qu'est-ce que c'était cool quand j'étais à Tahiti ?» Tu sais, parfois, tu tombes sur une photo que tu avais prise il y a quelques années et tu te dis « Qu'est-ce que j'étais heureux à cette époque ?» Alors qu'en fait, au moment où tu as pris la photo, bah, tu prenais juste la photo. Tu te disais pas que tu étais le plus heureux de ta vie à ce moment-là. Et c'est encore difficile pour moi, à 22 ans, d'apprécier vraiment le moment présent. Et j'ai l'impression que c'est ça le truc ultime dans la vie. C'est d'arriver à apprécier ce moment-là au moment où tu le vis et pas au moment où tu regardes une photo ou une vidéo qui date déjà. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas encore à faire, pas tout le temps en tout cas. Et même lorsque je suis dans un endroit comme ça, j'ai du mal à apprécier vraiment le moment présent. Et je pense que ça viendra avec l'âge, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent avec l'âge en fait, de positives, hein. Et je pense qu'apprécier le moment présent, c'est un truc qui vient justement à l'âge adulte,
et peut-être même à la toute fin de l'âge adulte. Je viens de me rendre compte que j'ai passé la vidéo à vous montrer mon arrivée à Tahiti, mais je vous ai même pas expliqué ce que je venais faire à Tahiti et pourquoi je suis venu ici précisément, parce que c'est un endroit que j'ai choisi pas au hasard. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je suis venu ici. La première raison, c'est que maintenant une partie de ma famille est ici. Mes parents ont été mutés et je vous avais déjà expliqué les raisons dans une dernière vidéo, et donc ils sont ici maintenant pour 4 ans et je me voyais pas rester 4 ans sans les revoir. Donc je savais déjà qu'une fois mes études terminées, au moment où j'allais recevoir mon diplôme, j'allais directement partir à Tahiti pour en même temps prendre des vacances. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été plutôt strict avec moi-même pendant mes études et surtout à partir du moment où j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube en même temps que mes études et terminer mes études, je me suis dit qu'il fallait restreindre beaucoup de choses, qu'il fallait me restreindre, et je m'étais promis encore une fois qu'une fois mes études terminées, j'irais prendre des vacances pour marquer vraiment la fin de mes études et pour avoir un vrai contraste entre mes études qui sont souvent les études de droit anxiogènes et des vacances qui sont par définition faites pour se ressourcer. Et donc forcément mes parents à Tahiti plus la fin de mes études, je savais que mes vacances j'allais les passer ici en Polynésie française. C'est beau hein, c'est y a tout. Il y a du vert, il y a du bleu. Les images que vous avez vues juste avant, c'était à Moorea. Donc c'est une petite île à 40 minutes de Tahiti en bateau. Il y a plein de petites îles. Il y a Tahiti qui est la plus connue, il y a Bora, il y a Moorea, il y a Rangiroa, il y a les Marquises, il y a Mopiti. Il y a énormément d'îles. Il y a Wahine aussi qui était une jolie île. Il y en a plein et il y en a plein que je connais pas encore. Mais c'est un endroit assez incroyable, et ça me faisait plaisir de vous le montrer également dans cette vidéo, de vous montrer une partie du monde que vous ne connaissez sûrement pas parce qu'elle est extrêmement éloignée de la France et de notre réalité en France. Et justement, en parlant de réalité, vous avez vu que j'avais du mal à vraiment comprendre que j'étais ici à Tahiti et que c'était devenu ma réalité pour au moins un mois, parce que je reste ici tout le mois de novembre, et c'est toujours un travail que je fais, on va dire, parce que c'est très difficile de passer de la France à ici et de se sentir vraiment en vacances, parce que c'est tellement différent comme réalité que on se sent toujours un petit peu comme dans un film. Et moi je commence maintenant, après une semaine, à vraiment me sentir ici, et j'ai créé vraiment une routine qui est incroyable ici. J'ai repris ma routine de France, mais je l'ai intégrée ici à Tahiti avec donc le soleil, la piscine, et j'ai une routine incroyable. Je fais du montage, je fais en même temps du sport ici, donc j'ai une salle de sport dans la résidence, il y a une piscine dans la résidence, et donc j'alterne entre des phases où je suis en train de créer des vidéos et des phases où je suis en train de me reposer tranquillement, et c'est trop bien. C'est une routine incroyable que j'ai en ce moment, et je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Dans une semaine, ma vidéo, ce sera une journée avec moi à Tahiti, donc je vous montrerai à quoi ça ressemble la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce moment ça va bien, et ça me faisait plaisir de vous le montrer.